bah c'est pas tout ça, mais je crois qu'il faut reprendre les vlogs. Hein. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un petit vlog. Ça y est, les choses commencent vraiment à s'accélérer pour moi et j'espère que cette fois va être la bonne. J'ai essayé déjà de reprendre les vlogs une fois, mais en fait j'avais tellement de choses à gérer en même temps que j'y suis pas arrivée. Là j'ai encore plus de choses à gérer, mais va savoir pourquoi, je crois que là j'en suis plus capable, donc j'essaie. Aujourd'hui on est vendredi, on est le 29 septembre, il est 15h23 exactement quand je vous prends, et ça fait un petit moment que vous m'avez plus vue sur YouTube. J'avais en fait besoin de ce temps déjà pour développer ma seconde activité. Comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai la boutique en ligne d'un côté, mais c'était pas viable financièrement pour que je puisse en vivre à long terme. J'ai le chômage qui se termine à la fin de l'année, donc du coup il fallait que je trouve une solution, et donc je me suis lancée comme comptable indépendante en Suisse à côté. Et c'est une activité qui prend du temps, il faut faire des recherches, il faut se vendre malgré tout un petit peu. Même si j'ai eu énormément de chance dans mon parcours, il a fallu que je consacre beaucoup de temps à ça, et c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Et c'est pas des choses que je peux filmer car je traite que des données confidentielles, donc je peux rien vous montrer. C'est pas compatible avec mon activité sur YouTube, donc voilà pourquoi je me suis éloignée. La boutique en ligne, je pense que vous l'avez vu par vous-même, j'en ai plus beaucoup fait la promotion. Sur TikTok j'ai plus rien publié depuis très longtemps, sur YouTube j'en parle même pas, Instagram je vous ai donné un petit peu signe de vie de temps en temps, mais rien pour faire la promotion de la boutique. Et depuis quelques temps elle est je dirais en mode vacances, c'est à dire que tant que j'ai pas terminé de déménager je remets pas la boutique en marche, parce que là comme je suis en train de tout emballer je peux pas faire vos commandes, c'est juste pas possible. Moi j'ai besoin de pouvoir tout emballer dans les cartons et pouvoir tout bouger facilement sans me dire ah mais non faut garder tel ou tel truc parce que si jamais on te passe commande machin, je peux pas. Donc voilà, je déménage officiellement le 14 octobre, donc c'est pas encore tout de suite, mais j'ai déjà des péripéties avec internet. J'ai voulu m'y prendre à l'avance cette fois pour pas me faire avoir comme la dernière fois, sauf que comme je déménage dans une nouvelle construction, il y a encore des choses qui sont pas terminées, et là on vient de me dire que la date d'activation a été repoussée au 17 octobre, donc que j'aurai pas internet avant cette date. Donc moi qui voulais réouvrir la boutique juste après mon déménagement, déjà ça prend quelques jours dedans, c'est pas grand chose, mais on va voir, je sens encore la douille arriver, qu'il va y avoir encore des soucis. Donc la boutique réouvrira quand je récupérerai une connexion internet. Pour l'instant j'ai inscrit, je viens de changer, j'avais mis le 15 octobre, là j'ai changé pour le 18, du coup si ma ligne est activée le 17, ça peut encore évoluer, donc je sais pas, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais voilà, si jamais la boutique n'est pas revenue comme elle est quand je le dis, c'est à cause de ça. Donc voilà, mais en tout cas j'ai très très hâte de la reprendre parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, ce côté créatif et tout, j'en ai vraiment besoin. C'est un très très bon équilibre avec le côté très sérieux et de la compta. Donc voilà. Donc là en gros, pour vous raconter la petite histoire, j'ai récupéré les clés de mon appartement vendredi dernier. Samedi, dimanche et mercredi après-midi, j'ai fait de la peinture avec des amis qui sont venus m'aider, et heureusement qu'ils étaient là parce que toute seule je m'en serais jamais sortie. Et là du coup l'emploi du temps, c'est que aujourd'hui c'est un peu repos entre guillemets, j'ai fait des choses pour la compta ce matin. Mais demain et après-demain, je vais aller là-bas pour enlever tous les scotchs, parce que j'avais enlevé déjà dans la chambre, mais je dois m'occuper de toute la pièce principale et des WC. Je dois enlever tous les scotchs, et puis forcément quand on place des scotchs, c'est, je vais pas dire forcément droit, surtout autour des prises, les prises aussi ont pris de la peinture, parce qu'on les a pas enlevées, on a caché autour, mais bon voilà, ça a pas empêché quand même des petits débordements. Donc je vais aller enlever tous les scotchs, et je vais aussi faire des retouches, je vais prendre des petits pinceaux à maquillage, et je vais faire des toutes petites retouches, pour que ce soit un minimum propre, parce que lundi on me livre la cuisine. C'est que la livraison de la cuisine, c'est pas la pose, donc ça va prendre une place phénoménale dans l'appartement. Donc à partir du moment où je commence à avoir ce genre de choses dans l'appartement, si j'ai des retouches à faire au niveau de la peinture et tout, faut que je les fasse avant, donc c'est pour ça que je ferai ce week-end. Mardi j'ai une livraison de meubles Ikea, j'ai fait une énorme commande de meubles Ikea, ceux qui me suivent sur Insta le savent. Donc j'ai la livraison des meubles Ikea, et le mercredi on vient me monter le lit et l'armoire, c'est les deux seules choses que j'ai demandé à ce qu'on me monte. Autant le lit j'aurais pu m'en débrouiller, mais comme c'est un lit coffre, il y a des ressorts, des machins, des trucs, j'ai pas envie de m'embêter. Et l'armoire, c'est les grosses armoires Ikea qui font 2m36 de haut, donc là même avec la meilleure volonté du monde, toute seule je peux pas y arriver. Donc ils me les montent, et au moins comme ça c'est bien fait, s'il y a un souci c'est de leur faute, ça me va très bien. Le reste des meubles par contre, j'ai commandé des bureaux, des étagères, des choses comme ça, c'est moi qui monterais. J'essaierai de vous prendre en vidéo, ce serait quand même sympa. Et puis voilà, donc l'emploi du temps de la semaine prochaine c'est ça. Lundi livraison cuisine, mardi livraison Ikea, mercredi montage de meubles Ikea. Moi je verrai ce que je monte de mon côté ou pas, surtout si j'ai de la place de pouvoir monter quoi que ce soit.
Vendredi, j'ai une possibilité qu'on vienne me monter la cuisine. Normalement, on me monte la cuisine le 10 octobre. C'est pour ça que je déménage pas avant. J'ai peut-être une éventualité qu'on vienne me la monter vendredi. Je ne sais pas encore si ça va être faisable ou pas. Je croise les doigts très très fort. Parce que même si je déménage dans tous les cas que le 14, ça me permettrait déjà de pouvoir venir ranger toutes mes affaires de la cuisine. Et donc, ce serait pas plein de cartons en moins à faire. Je mets tout dans des sacs Ikea et puis j'ai plus qu'à ranger une fois arrivé. Donc, ce serait vraiment parfait. Et au moins j'ai plus à me débrouiller, à me dépêtrer avec ça. C'est surtout que j'aurai plus tous les cartons aussi de la cuisine dans l'appartement. Tout sera monté, eux ils se seront embarqués, tous les cartons vides et autres. Donc ce serait vraiment top. Et là je vais pouvoir commencer vraiment à faire des allers-retours avec les cartons chez moi. Parce que là encore ça n'a pas trop bougé, si vous voyez des cartons un peu là et un peu dans l'entrée. Mais j'ai pas encore bougé grand chose chez moi. Donc du coup bah, je sais que j'ai le temps, mais en même temps plus la date approche et plus j'ai l'impression que je suis en train de me mettre en retard. Mais voilà, parce que je dois gérer le déménagement, je dois gérer la compta, je dois gérer beaucoup de choses en même temps. Et en plus de ça, j'ai des nouveaux clients qui sont en train d'arriver. Donc voilà, il faut faire ce qu'il faut. Donc c'est un peu sport, même très très sport, mais on va y arriver. Bon, bah voilà les dégâts d'après peinture, ça résonne de fou. Donc là du coup, aujourd'hui, je dois enlever tout ce qu'il y a au sol. Je dois nettoyer par terre, comme vous voyez là, il y a des endroits où il y a de la peinture, mais ça s'enlève facilement. Et surtout, je dois enlever tous les scotchs. Donc vous avez tous les scotchs au plafond, vous avez toutes les prises. Comme ça, je dois tout enlever, tout, partout, partout, partout. Là, ce sera l'emplacement de la cuisine. Donc voilà, un petit peu le boulot d'aujourd'hui, qui va être pas mal. On va faire un truc satisfaisant ensemble, c'est enlever le scotch des toilettes. L'ami qui m'a aidé à peindre en fait m'a donné l'idée de faire un mur gris. C'est la couleur qu'il y a dans la chambre. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et forcément, autant le reste de l'appartement c'est blanc donc on l'a pas. Mais c'est hyper satisfaisant d'enlever ça en tenant un téléphone. C'est vraiment pas pratique. D'accord, j'ai carrément la peinture blanche qui s'est enlevée. Et bah ça, voilà, une retouche à faire, super bien. Autant j'ai un scotch qui était très adhésif, et du coup c'est celui-là qui doit enlever la peinture. Autant l'autre avait tendance à se décoller avant même qu'on commence à peindre. Du coup, voilà, petit conseil, faites attention. Du coup, je vais continuer toute seule parce que là c'est vraiment pas pratique, je vous montre à la fin. Voilà, du coup, une fois les scotchs enlevés, donc on voit qu'au tour des chasses, franchement, je me suis bien débrouillée, c'est assez net. Là, en fait, j'ai oublié de prendre avec moi une pince à épiler, c'est un restant de scotch. Mais là, vous voyez, comme c'est dans le coin avec l'ongle, on peut pas réussir à le choper. Du coup, il faudra que je pense à faire ça demain. Et puis bah là, du coup, ouais, j'ai une retouche de peinture à faire. Là, ça a carrément arraché. Puis là aussi, des petites choses comme ça, en fait, pour que ce soit net. Sinon, le reste, ça va. C'est pas parfait, parfait. On le voit. Là, j'ai encore aussi un petit truc avec la pince à épiler enlevée. Mais c'est pas mal. Et du coup, on croit que j'ai fini, mais non. J'ai tous les scotchs de l'encadrement de porte à enlever. Tous les scotchs en bas. Donc il y a du taf, et puis bah, après bah, ouais, l'entrée, tout ça, tout pareil, tout pareil, tout pareil partout. Voilà. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait au sol, j'ai commencé à enlever les scotchs un peu autour des portes, le placard là. Et il y a tout à continuer, et là où je vais m'en voir c'est le plafond, parce que moi j'ai le vertige. Donc autant vous dire que là en bas c'est bon, mais là en haut ça va être un peu moins bon. Donc voilà, mais déjà là c'est plus net. Et après il va falloir que j'enlève toutes ces taches de peinture. Après un bon coup d'aspi, un bon coup de serpillière avec un produit qui sent bon. Et là je vais enfin me sentir chez moi. Bon bah voilà, tous les scotchs sont enlevés. En fait au plafond ça a été vachement plus facile que ce que je pensais, parce que j'ai quasiment tout qui est venu d'un coup. Donc c'est vraiment trop trop bien. Et voilà, un peu l'étendue des dégâts. Le scotch qui est là. Et puis bah, les bâches que j'avais au sol qui sont là. Donc voilà, maintenant on va nettoyer. Enfin je vais déjà passer un coup d'aspirateur je pense, dans la chambre et dans la salle de bain, comme ça. Ensuite, je vais nettoyer les taches qui restent et je laverai par terre. Et après, je répéterai la même opération ici. Parce que comme vous voyez, là, il y a franchement de quoi faire. Mais après, c'est de la peinture qui s'enlève facilement. Donc franchement, là-dessus, j'ai vraiment de la chance. Et un truc, si j'arrive à le faire,
C'est mon pauvre escabeau qui est neuf. Hein. Il ne paraît pas du tout, mais il est complètement neuf. Ce serait bien que j'arrive à lui mettre un petit coup aussi si j'y arrive, parce qu'il a pris cher. Hop là, le sol de la salle de bain, c'est bon. J'ai plus que ces petites choses-là à laver. La chambre, c'est pareil. Du coup, là, on va s'attaquer un peu aux retouches. Bon, là, comme vous voyez, j'ai encore des restants de scotch à enlever, donc il faut que vraiment que je remette la pince à épiler demain. Et en fait, ce que j'ai à faire, c'est surtout au niveau de là. En fait, j'ai le joint qui a sauté à certains endroits. Et du coup, ça fait qu'il n'y a rien qui est droit. Les prises ont ramassé, mais ça, je nettoierai une fois que j'aurai emménagé, parce que franchement, là, j'ai pas le courage. Et puis, voilà, je dois faire un petit peu tous les tours de prise au niveau des plantes. J'ai des choses à retoucher, des choses comme ça. Donc, il y a de quoi faire. Là, par exemple, l'interrupteur, bon, il a pris cher là, au niveau de la peinture. Mais vous voyez, là, il manque tout un petit pan. Donc, je vais y aller avec des petits pinceaux à maquillage. Et puis, je vais faire toutes mes petites retouches, comme ça. Au moins, comme ça, ça aura le temps de sécher. Et puis, voilà. Ça y est, j'ai fini, c'est en train de finir de sécher, c'est tout propre, il n'y a plus de scotch, il n'y a plus rien, tout nettoyé, le lavabo, l'escabeau, j'ai essayé de faire quelque chose, j'y suis pas arrivée, on verra plus tard quand je vais emménager, mais voilà, je suis contente, tout est clean, j'ai fait les retouches, c'est pas du grand art, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, prochain rendez-vous demain, j'aimerais bien amener ce que j'ai sur la terrasse, je dois finir de vider ma cave. Et puis j'ai ma table, mes chaises, ce genre de choses, au moins ça me permettrait de me poser un peu. Et puis lundi matin, entre 8h et 9h, livraison de la cuisine. Juste la livraison, pas encore le montage, peut-être vendredi prochain avec un peu de chance. Du coup on croise les doigts, mais au moins voilà, tout ça c'est fait. Et je peux maintenant accueillir les livraisons de meubles correctement. Et ça c'était vraiment ce que je voulais faire ce week-end, donc ça c'est cool. Bon, ben il est 8h15, j'attends la livraison de la cuisine qui devrait pas tarder. Ça va prendre une place du diable, j'ai peur de ce que ça va donner. Bon, et ben voilà, on a mon gros frigo. Voilà un petit peu l'étendue des dégâts de tous les colis. Donc ben, on a laissé toute la place pour la cuisine là. Et voilà à quoi ça ressemble, donc franchement, eh ben, y a de quoi faire, hein. Y a du taf. On voit le bois de mes meubles, je savais pas du coup vraiment comment ça allait rendre. Du coup là ça permet vraiment de s'en rendre compte et c'est chouette. Et du coup montage normalement vendredi avec un peu de chance, sinon mardi prochain. Aujourd'hui c'était livraison Ikea, donc on a tout, ça. Ça va, je m'attendais à moins pire en fait, enfin à pire plutôt. Et tout ça pour la chambre, donc là il y a l'armoire, il y a le lit dans tout ça. Et puis bah voilà le reste des choses là. Et puis bah la cuisine hein, qui a pas bougé d'un pouce. Donc ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de cartons. Demain du coup montage Ikea de ce qu'il y a dans la chambre et puis une partie de ce qu'il y a là, ils m'ont pas tout mis. Et puis bah vendredi avec un peu de chance, montage de tout ça. Ça va être trop bien. Bon et ben voilà, le bureau assis debout, il est monté. Donc j'ai pris les pieds noirs et le haut beige. Je savais plus si j'avais pris beige ou si j'avais blanc. Je pensais que j'avais pris blanc. Mais bon, beige c'est très bien aussi, ça ira bien. Et forcément le clou du spectacle. Tadam ! Le lit, tous les cartons qu'ils ont là que je dois jeter maintenant. Donc c'est un lit coffre que j'ai pris et bah, il est franchement pas mal. Et ma super armoire. Voilà, et ça c'est trop cool. Donc j'ai changé, j'avais une armoire comme ça en fait dans mon ancien appartement. Et j'avais 4 grands tiroirs, j'avais la penderie qui s'arrêtait là. Et là j'ai rajouté un grand tiroir, j'ai rajouté quelque chose pour les bijoux avec une plaque en verre. Et j'ai une plaque en verre là-haut, alors c'est un peu con mais en fait ils avaient que ça. Et le petit clou du spectacle, regardez-moi ça. Je vais pouvoir mettre mes bijoux comme ça, donc là c'est du verre. Et donc on peut tirer en dessous. Et voilà, un peu la beauté de la chose. Franchement je suis refaite, c'est magnifique. Et puis au moins voilà, l'espace est rentabilisé jusqu'au plafond. Donc ça c'est cool. Et pour le lit, ben voilà, du coup un lit coffre. Donc là je pourrais ranger plein de choses. Ça évitera aussi surtout que les chats aillent en dessous. Parce que mon but c'était vraiment voilà là que les chats puissent plus aller en dessous, donc c'est un gain au niveau du ménage, mais surtout pour pouvoir choper les chats quand on a besoin de faire leur vaccin par exemple. Et donc voilà, il y a un système de poignée où là forcément ça demande un peu de force, surtout qu'il n'y a pas de matelas là-dessus pour m'aider. Ouais là je vais pas y arriver, il me faut les deux mains.
Mais du coup, là, quand il n'y a pas mat là-dessus, il faut faire attention quand je tire la languette parce qu'en fait, le truc part tout de suite. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait un mat là-dessus, quoi. Mais donc, voilà un petit peu. Ça y est, ma chambre commence à prendre vie. Et ça, c'est franchement très, très cool. Donc, il y a d'autres meubles à monter, hein, forcément. Dans tout ce que j'ai pris là, là, c'est deux étagères noires qui vont dans mon bureau. Là, c'est une grosse étagère Kallax en bois. Là, c'est bois, là, c'est noir. Ça va être très joli. Là, j'ai encore les chaises de bar. J'ai une étagère où, en fait, elle est complètement éraflée. Et oui, en fait, dans l'armoire, ils m'ont oublié la penderie. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Après, non, ça, je disais que c'était des étagères. Non, c'est un bureau qui ira là. Là, il y a les 5 pieds. Et puis là, j'ai tout plein d'étagères. J'ai des meubles à tiroirs. J'ai les tables de chevet qui sont là, les deux. Voilà, une fois replié, le lit ressemble à ça. Donc c'est un 160, si jamais vous posez la question, j'ai un lit en 160, donc c'est pas mal, il y a les prises de chaque côté, ça passe nickel. Et donc là il y aura une table de chevet, là il y aura la deuxième, et l'espace là, en fait, c'est là où il faudra que je voie pour potentiellement mettre une coiffeuse, mais je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que l'espace c'est petit. Après la porte, je peux très bien la laisser ouverte jusque là, hein, perpendiculaire. Et avoir une petite coiffeuse derrière. De toute façon, la porte sera fermée les trois quarts du temps ou juste poussée comme ça. Donc voilà, ça va être des petites choses encore à regarder. Peut-être un truc en angle, je sais pas encore. On va voir. Donc ça, là, il y aura deux meubles noirs que j'ai déjà où je mettrai la télé dessus. Là, il va y avoir un meuble Alex. Moi, j'ai un blanc, mais là, j'ai commandé un noir, justement, qui ira là-bas. Donc je vais monter ça ce week-end. Et puis voilà, là encore de belles choses à venir. Puis bien sûr, forcément après, des cadres murs, des choses comme ça, de la déco, ça va être chouette. Par contre, là, le problème que je vais avoir, c'est que ce bureau, eh ben, il faut que j'arrive à le pousser. Parce que là, il prend la place pour la cuisine bah, qui sera là. Et il faut que j'arrive à le mettre ailleurs. Mais je sais pas où. Parce que là, j'ai les meubles Ikea qui me restent à monter. Mais le problème de ces meubles, c'est que je vais le faire ce week-end et que la cuisine est montée vendredi. D'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit dans le vlog. Mais j'ai eu confirmation que ma cuisine était montée vendredi, donc après-demain. Et je suis en train de me dire, sinon, est-ce que tout ça, j'y foutrais pas dans la chambre? Je peux le mettre là, en attendant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que du coup, il faut que je le fasse ça avant de partir là. Parce que je reviens vendredi, il vient à 8h, la personne qui s'occupe de ça. Donc ouais, je vais m'occuper de ça maintenant. Je vais tout bouger dans la chambre. Voilà, j'ai bougé un petit peu comme ça. C'est pas ouf. Mais disons que ces cartons-là sont tellement lourds que je préfère les laisser comme ça, les ouvrir au fur et à mesure et monter ce qu'il y a dedans. Et puis là, j'ai mis les petits, les chaises de bar, et deux, trois bricoles. Et puis là, c'est les deux tables de chevet. Donc de toute façon, bah, elles iront là. Donc voilà. Maintenant ça, faut que j'y déplace de l'autre côté de la terrasse, sous le balcon, parce que si jamais il pleut, et bah, de l'autre côté, il y a moins de chances que ça touche, alors que là, il n'y a rien au-dessus. Donc il faut absolument que je bouge ça. Je suis allée à l'appartement ce matin, je vous ai rien filmé parce que j'apportais des trucs un petit peu fragiles, donc en soi on s'en foutait. Et en fait, j'ai croisé le promoteur, donc j'ai pu lui poser la question par rapport à internet. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé dans le vlog ou pas, comme s'il dure sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je risque de me répéter beaucoup, je suis désolée. Et je lui ai demandé si pour la connexion internet, on m'avait dit que la ligne n'était pas terminée de construire et qu'en gros c'était pour ça que j'avais toujours pas internet. Et le gars m'a dit que c'était complètement faux, qu'en fait la réalité c'était que toutes les lignes étaient bien faites, mais qu'il y a un souci à un endroit au niveau du câble orange, et que eux doivent intervenir depuis longtemps, et que personne ne fait rien, que même la mairie s'en est mêlée, et donc bah, qu'en gros personne n'a rien. Personne n'a internet, personne n'a le téléphone, personne n'a rien du tout, sachant qu'il y en a qui ont emménagé au mois de juillet. Moi j'ai les boules, mais alors eux je pense que c'est même pas la peine. Du coup là j'ai remonté l'info auprès d'Orange. Vu que moi j'étais en contact personnellement, je lui ai donné l'info en disant écoutez, faites remonter l'information à qui vous pouvez, mais franchement là c'est pas possible. Puis je dis là du coup il s'agit plus que de moi, il s'agit de tous les logements de la résidence. Si on est 33 logements, moi je suis indépendante, apparemment il y a d'autres indépendants aussi qui se retrouvent bloqués parce qu'ils sont censés bosser de chez eux. Donc s'il vous plaît, par pitié, faites quelque chose. Et la personne m'a répondu qu'elle allait en faire une affaire personnelle, donc agréablement surprise, à voir si c'est que des paroles ou si ça va vraiment être le cas. Mais du coup, voilà, donc les nouvelles petites péripéties. Donc si ça se trouve, bah, la boutique, je pourrais jamais la réouvrir le 18. Donc voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que ce vlog, je le publierai
la veille de déménager. Je vais couper ces vlogs en deux, ce qui est pas plus mal parce que finalement j'ai quand même pas mal de contenu déjà à vous proposer là. Comme ça je fais un vlog juste avant de déménager, la veille tant que j'ai l'accès à mon ancien appartement et donc à mon ancien abonnement internet. Et le prochain vlog sera publié quand j'aurai récupéré une connexion. Voilà, donc où vous aurez du coup le jour du déménagement et puis bah, la suite, l'aménagement vraiment en tant que tel. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Demain, montage de la cuisine. J'en peux plus, j'ai trop hâte. Je dois être à 8h30 là-bas du matin. Donc il va encore falloir se lever de bonne heure. Mais bon, après c'est fini. Après ce sera le déménagement samedi prochain, de la semaine prochaine. Et après... voilà, on va pouvoir profiter de la nouvelle vie. Bah là j'attends le montage de la cuisine, il est 11h42, j'avais rendez-vous à 8h ce matin en fait, je vous ai dit 8h30 mais c'était 8h, pour donner les clés et tout. Là j'ai déjà eu un coup de fil comme quoi on avait oublié de me sortir un fil électrique à un endroit, du coup sur toutes les lumières sous les placards j'en aurai un où il y aura un petit interrupteur. Bon bah c'est comme ça, j'espère qu'il va pas y avoir d'autres soucis. Et là en fait j'ai qu'une hâte, c'est qu'on m'appelle pour qu'on me dise c'est bon j'ai fini, vous pouvez venir. Et du coup je verrai le résultat de ma super cuisine. J'ai beaucoup trop hâte, vraiment là j'en peux plus. Là c'est la journée que j'attendais avec le plus d'impatience. Donc j'ai trop hâte de voir et de vous montrer ça. Bon, bon on se retrouve, on est samedi, il est 10h15. Je vous ai pas filmé quoi que ce soit hier en fait avec la cuisine parce que tout simplement le monsieur qui la monte n'avait pas fini. Donc il reviendra mardi pour la terminer. Mais là, comme vous le voyez derrière, je commence à avoir pas mal de bordel qu'il faut que je commence à transvaser parce que je déménage dans une semaine pile et je veux déjà dégrossir un peu les choses, amener tout ce qui est fragile, tout ce que je veux pas que les autres touchent. Donc bah ça y est, c'est parti, j'y vais et une fois là-bas je vais monter des meubles et du coup bah, je vais pouvoir voir l'avancement de la cuisine. Donc du coup elle sera pas terminée mais déjà ça va être trop bien. Bon bah ça c'est tout ce qui reste encore à monter de la cuisine, le frigo. Là je découvre en même temps que vous, hein, je viens d'arriver. Là visiblement c'est des emballages, là j'ai encore le lave-vaisselle, des choses comme ça. Et du coup, vous voulez voir le verdict? Bon c'est un verdict provisoire mais... tada! C'est trop beau! Je kiffe! Alors oui bon vous avez la perceuse en fond sonore, forcément tout le monde est en train d'emménager donc voilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler, j'avais pas vu sur les plans que j'avais un renfoncement là pour le bas. C'est juste trop bien, j'avais pas du tout calculé ça, donc c'est très cool. Et du coup voilà un petit peu, donc c'est vraiment approximatif encore. Là il y aura un placard, là aussi, là il y aura des tiroirs, là il y aura les plaques, non là il y aura le four. Là il y aura les plaques, là il y aura le micro-ondes, là il y aura la hotte qui est déjà mise, je suis en train de voir. Donc là il y a un placard, j'ose pas trop toucher, là j'ai un range-bouteille mais parce que je savais pas quoi foutre. Là ce sera des étagères, j'ose même pas ouvrir les placards parce que j'ai peur que ce soit peut-être pas totalement fixé. Et là ce sera au-dessus du frigo, j'avais mis un placard. Donc le frigo qui sera là, je lui avais laissé mon escabeau, bah comme quoi il s'en est servi. Hein. Là il y a les portes du placard, là en fait là-bas j'avais mis un range-bouteille là, mais avec le frigo ça va coincer au niveau de l'ouverture. Là il y aura la vaisselle, du coup là le placard sous évier, donc on voit que bah voilà, hein. C'est pas encore fini, tous les tuyaux sont là. Et du coup là au niveau des prises, il m'a mis les petites lumières qui iront là-dessous, donc ça c'est trop bien. Les prises on voit qu'il y a de la peinture dessus qu'il faut que je nettoie. Ça par contre c'était pas prévu que j'ai un truc là et il a réussi à tailler autour, c'est tout propre. J'avais un peu peur de ça au niveau de la crédence. Là j'ai les trois prises, donc ça c'est cool. J'en ai deux là, enfin je vais pas manquer de prises hein, franchement. Et du coup, voilà quoi. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et là je vais avoir un truc en plus pour le bar qui fait comme ça, où on pourra manger à deux personnes de plus, donc ça me fait un bon passage là. Puis après il va falloir mettre tous les caches en bas et tout pour que ce soit tout propre, tout nickel. Mais j'aime bien. Franchement, le bois, ouais, j'avais peur de ce que ça allait rendre. Et ça va, il est clair. Il est lumineux quand même assez. Bon, là, il fait un peu gris dehors, donc on se rend pas trop compte. Mais franchement, je suis trop contente. Avec mon bel évier. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais il a pas chômé, hein, sachant que c'est quelqu'un qui est tout seul pour la monter. La cuisine, franchement, il a pas chômé. Et quand on recule vraiment au maximum de la pièce, voilà un petit peu ce que ça fait. Donc j'ai vraiment cherché à faire un maximum de rangement, gagner un maximum de place.
Et franchement, c'est très très cool. Vraiment top. Et ça me fait encore une sacrée ouverture sur le salon. Je peux dire, c'est ça l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mettre une table pour manger. Ce sera déjà prévu avec le bar. Et du coup, ça me laisse vraiment tout le salon pour faire mon bureau. Donc c'est trop bien. Bon, finalement, j'ai pas pu m'empêcher de farfouiller un peu et regarder ça. Toulou ! Ça, c'est chouette. Parce que moi, dans l'autre appartement, celui que j'avais avant, en fait, c'était méga sombre quand on faisait la vaisselle ou quoi. Et du coup, j'ai demandé à avoir des loupiottes partout. J'en ai là-dessous aussi. Il y en a une là, il y en a une là. Mais on m'avait expliqué qu'il faudrait un autre interrupteur. Parce qu'ils m'ont pas fait une sortie électrique là. Ils m'ont appelé pour me dire ça. Donc du coup, celui-là, il est réglé par cet interrupteur-là. Et l'autre, apparemment, il faudra mettre une télécommande ou un truc. Bon, on verra. Parce que ça, c'est la VMC. Pourquoi avoir un interrupteur pour la VMC? On ne sait pas. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire fouiller un petit peu. Les placards, là par exemple, j'ai les portes qui sont pas alignées, mais il va peut-être les regarder. Oh. Ah bah, voilà. Il est en train. C'est des placards qui sont... ils sont hyper hauts. Il me faudra un escabeau pour aller à l'étage du haut. Mais c'est pas grave. Et puis, bah voilà. Je vais pas trop toucher. Je peux pas péter quelque chose. Là, ce sera le meuble sous évier qui sera comme ça. Pas mal, c'est bien. On farfouille, on visite. Il faudra que je trouve des petits rangements à roulettes là pour mettre tout ce qui est produit d'entretien et autres. Ou la poubelle. Ou je sais même plus ce que j'avais prévu. Il y a peut-être un truc déjà qui y va. Je sais même plus. Là, il y a les prises. Il y aura la prise du lave-vaisselle et puis une autre. Bah, on sait pas trop pourquoi. Tac. Là, c'est dommage qu'il y ait rien, que j'ai rien pu faire. C'est vraiment dommage. Et là, ce qui m'a fait rire, c'est le placard de la haute. Parce qu'en fait, il est comme ça. Il y a une étagère très lointaine là-haut. Et puis, il y a ça. Du coup, là, je sais pas si je pourrais poser quelque chose. Je poserai la question. Parce qu'au pire, là, je pourrais ranger les épices à la limite ou des trucs qui craignent rien. Et puis voilà. Mais en fait, les placards sont super hauts. Il va me falloir un escabeau ou un marchepied, en fait, que je vais laisser par terre quelque part. Après, j'étais en train de me dire, les gamelles des chats, je vais les foutre où ? Parce que bah, je préfère que ça reste côté cuisine, je les mettrais peut-être là. Parce qu'à la limite, là, il y a un bon passage. Et puis quand quelqu'un mange, bah, je les enlèverais. Mais à la limite, je mettrais peut-être là les gamelles pour les chats. Je pourrais mettre une petite gamelle d'eau là, par exemple. Ouais, on va se débrouiller, on va trouver. Mais c'est trop chouette. Je regarde un peu les détails. Comme il est fait, c'est droit, c'est tout droit, c'est bien. Après, du coup, on se demande si c'est... Je suis en train de faire ça pour voir si ça bouge. Non, ça bouge pas d'un iota. Donc ça, c'est chouette. Mais je me sens toute petite dans cette cuisine. Les placards sont trop hauts. Ils sont beaucoup... Regardez, je suis grande, hein, je fais 1m70. Et regardez où je vais et regardez ce qui reste encore comme placard. Il y a un petit souci, là. Je me sens dans la cuisine d'un géant. Le micro, lui, ça va. Il sera à ma hauteur. Lui, c'est bon. J'y arrive. Mais le reste, ouais. Le placard là-haut, bah alors là... Pareil, c'est même pas la peine. Ah oui, il y a là, j'ai pas ouvert. Je vais avoir un placard là aussi qui sera comme ça. Pas très profond celui-là. Parce que le bar, bah, du coup, il y a le renfoncement de l'autre côté. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai aussi un placard là qui fera un peu placard caché du coup. Là, je pensais peut-être mettre les bouteilles d'alcool ou des trucs comme ça. Je sais pas, vu que moi je bois pas. Du coup, c'est le truc dont j'ai pas besoin d'avoir. Ou les croquettes des chats, les trucs comme ça. Mais c'est trop bien. Et le bar, du coup, il est à bonne hauteur. Je m'attendais presque à ce qu'il soit plus haut que ça. Mais non, en fait. On est bien, on est bien. Je vais monter les petites chaises et je vais les mettre devant, comme ça on verra ce que ça rend, mais c'est cool. Puis après, bah, y a toutes les petites bordures à faire sur les côtés, là, là, là. Donc ouais, non, c'est chouette. Ça a de la gueule, mon histoire, ça a de la gueule. Après, on rajoutera un petit luminaire là, pour que ce soit encore plus joli. Et ça va être trop bien. Et du coup, moi, je suis venue avec du bordel, déjà, parce que ben, malgré que la cuisine soit pas terminée, il faut quand même que je me débrouille pour avancer. Je me suis rendu compte, en fait, Ikea, je leur ai fait une réclamation comme quoi il me manquait la tringle, mais en fait, pour moi, il me manquait ça aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais, et ils me les ont renvoyés. Moi, c'est des petits rangements pour le dressing, hein. Je vais pas cracher dessus, hein, du coup, j'en aurais d'autres. Mais bon, c'est pas très honnête de ma part, du coup, j'étais sûre de pas les avoir. Et en fait, là, du coup, ce que je voulais, c'était monter des étagères, mais les étagères, normalement, auraient dû aller là. Donc je vais pas pouvoir, vu qu'il y a encore le restant des meubles. Donc je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais au moins monter les tables de chevet et la tour Alex pour la chambre, donc là-bas. Je vais monter les chaises de bar, et je pense que déjà ce sera pas mal. Je voulais monter des meubles aujourd'hui et demain, mais en fait là les étagères je vais être coincée, à moins qu'après les étagères je les mette là et puis que je les déplace. Ce qui est possible aussi.
je vais voir en fonction, je vais monter dans l'ordre des cartons que j'arrive à sortir. Je vais déjà m'occuper des tables de chevet qui sont de l'autre côté. Et puis là, je vais voir, mais voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est que je voulais aussi vérifier si j'avais de l'espace là pour pouvoir m'étaler et monter des meubles. Et je l'ai, donc on va pouvoir s'en occuper. Voilà la première chaise de bar montée. Bon, montée, c'est un bien grand mot, j'avais juste le pied à mettre. Hein. Mais du coup, je voulais voir la hauteur parce qu'il y avait deux hauteurs de chaises hautes et j'avais peur de celle que j'allais prendre. Et en fait, non, ça va nickel. Et en plus de ça, elles sont plus jolies que ce à quoi je m'attendais. Je voulais absolument pas quelque chose en tissu pour que les chats puissent pas se faire leur griffe dessus. Et en fait, elles sont super. Et quand on est assis, on est à la bonne hauteur pour manger. Les jambes passent bien en dessous. Il y a même de la marche, donc ça, c'est cool. Et puis ce pied, bon, là, j'ai déjà dégueulassé. Forcément, il y a plein de poussière. Mais c'est bien. Je trouve que l'assise, elle est assez confortable. Et du coup, pour manger sur le bar, même à 4, j'avais peur que ce soit vraiment inconfortable. Et en fait, non, on va être bien. Donc c'est chouette. Trop cool. Il n'y a plus que les trois autres à monter. Et ben voilà, première table de chevet de montée, les quatre chaises de bar aussi. Je vais attaquer la deuxième. Hop, voilà. On est pas trop mal. Bon, on manquera un petit coup de ménage, mais voilà, on est bien. Bon ben voilà, les deux tables de chevet sont montées. J'ai mis les petites lampes de chevet par-dessus pour voir un peu avec l'effet bois, ce sera vraiment joli. Avec l'armoire là, du coup. Donc ça, c'est chouette. Par contre, je pense que du coup, j'ai complètement fumé pour mettre une coiffeuse ici. Ça rentrera jamais avec la largeur de la table de chevet. Du coup, le meuble Alex que je pensais mettre là, je me demande si je vais pas le mettre là. Et puis j'aurai un petit renfoncement sur le côté pour glisser un truc qui se verra pas. Et si je mets une coiffeuse, au cas où, je la mettrai ici. Je suis en train de me dire que ce serait peut-être le mieux. Mais mon miroir, il va jamais rentrer. Il fait 110 cm, là, il n'y a pas 110 cm. Donc mon miroir, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Mais on essaiera de trouver un système. Ou alors je mets un meuble noir que j'ai déjà là. Un autre ici avec la télé et une coiffeuse à côté où là du coup j'aurai plus de place. Ouais, je peux aussi bidouiller un truc comme ça. Je vais voir. Bon, il y a des possibilités, mais en tout cas, ça c'est pas mal du tout. Et en fait, le meuble Alex, je vais le faire demain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu tout le merdier. Là, j'étais assise là. Ça, c'est tout le bordel que j'ai fait. Là, les cartons, je vais tout ramener. Je vais vider le chariot et je pense que je vais le recharger avec des trucs, avec des cartons, vu que là j'ai tous les cartons achetés aussi. Et comme ça, quand j'arrive avec des cartons, quand je repars avec des cartons vides que je vais foutre dans mon garage. Et puis à terme, je le mettrai à la déchetterie. Donc là, je vais faire comme ça pour aujourd'hui. Un petit peu chaque jour et comme ça, après, on s'épuise pas trop. Mais à la fin, tout est fait. Et ben voilà, on est dimanche et on s'y remet. Là, c'est le même Alex qui m'attend. Et tout ça. Et ben voilà, c'est parti mon kiki. Bon, bah le corps du meuble, c'est fait. Maintenant, il faut monter tous les petits tiroirs. Mais ça va, c'est pas trop mal. Par contre, le désavantage du noir, bon, il est sale, hein, faudra que je le nettoie, mais c'est qu'il y a des petites rayes. Là, par exemple, je sais pas si vous la verrez, s'il a comme ça, il y a une raye, et ça se voit tout de suite sur du noir. Bon, après, j'y repasserai avec un marqueur, avec ce qu'il faut, c'est pas le problème. Mais c'est le désavantage. J'en ai un blanc, déjà, qui est dans ma salle de bain là actuellement, qui partira bah, dans mon bureau du coup là, et puis la noire va aller dans la chambre. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'ils sont pratiques ces meubles. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche là? Je suis pas stupide, enfin je crois pas. J'étais en train de mettre tous les fonds là, et comme vous voyez, celui-là il en a pas. Il m'en manque un. Là j'ai plus que les fonds de tiroir là, et puis après à les encastrer là-dedans. Mais il me manque un truc au fond comme ça. J'ai regardé partout. Le carton, il est plus que vide. Il m'en oublie, hein. Putain. Chaque truc qu'ils m'ont livré, presque, il manque un truc, quoi. Il me manque la tringle dans le dressing. Là, il me manque un fond de tiroir. Putain, il va faire... J'ai déjà deux réclamations en cours. Il va falloir que je rajoute celle-là encore. Non, mais sérieux, j'étais en train de regarder là de près s'il y en a un que j'avais pas doublé sans faire exprès, machin. Et non, il n'y a rien. Oh, ça m'énerve. Je les avais posés là, de toute façon. Il n'y a rien. Donc non, il m'en manque réellement, hein. Fais chier. Bon, bah rectification, je suis stupide, complètement, hein, parce qu'il était là-dedans, dans ce merdier. Donc bah voilà, je vais pouvoir finir mes tiroirs. Et bah voilà, ça y est, il est monté, il a besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Mais voilà, c'est tout bon. Alors l'intérieur, il est blanc, finalement, comme les autres tiroirs Alex. Mais voilà, tout va bien, nickel. Là, je vais faire une petite pause et je pense que je vais enchaîner. Je sais pas ce que j'ai en dessous de l'autre. Là, c'est quoi? Ça doit être un meuble à chaussures. Je pense que ça doit être les deux meubles à chaussures, là. Ah, bah, c'est là. Oui,
C'est ça, des meubles à chaussures. Et ben, on va faire ça. Si je pouvais faire les deux avant de partir, ce serait bien. Et il restera... j'ai le bureau, mais le bureau, la planche, elle est là-bas. Là, il y a une étagère, une noire. Oh, c'est les deux noires. Oh, je sais plus. Bon, enfin, je deviens barge avec tous ces cartons. Ça, c'est le bureau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est les deux étagères noires. Ok. Ce qui veut dire que là-dessous, il y a l'étagère Kallax qui est là. On le voit. Et en dessous, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Pourquoi j'en ai deux? Attends, il y a un souci là. Ah, ou alors non, c'est qu'il y a en deux colis. Parce que oui, j'allais dire, les colis font pas la même épaisseur. J'étais en train de me dire, putain, non, j'en ai pas commandé deux parce que là, ça va pas rentrer. Non, en fait, c'est que les étagères doivent être en deux colis. Ok, donc là, il y a les étagères, les deux meubles à chaussures, le reste des étagères là. Et de toute façon, tant que la cuisine n'est pas finie de monter, je peux pas m'en occuper parce qu'elles vont sur le mur là-bas. Donc voilà, c'est ça. Et je viens d'avoir une idée sacrément stupide, mais le karma vient de me rattraper. J'ai mesuré la largeur, là ça fait 36 cm. Retenez bien ça. Et je me suis dit, vu qu'il va aller là, est-ce qu'à tout hasard, j'aurais pas la place d'en mettre un deuxième? Sachant que ce machin-là, ça se dévisse. Et en fait, je viens de pousser au maximum là, parce que de toute façon, là, il y a le radiateur, donc on peut pas aller bien loin. Et là, j'ai exactement 69 cm. Ce qui veut dire qu'à 3 cm près, je vais pouvoir mettre un deuxième. C'est moche, hein. Mais bon, voilà, c'est bien, le karma me rattrape, donc je mettrai le meuble là. Je décalerai un petit peu ça par là pour que ce soit plus propre. Mais voilà, ce que je m'étais dit, que j'aurais pu mettre deux meubles, et au pire, peut-être que j'aurais réussi à foutre mon miroir d'une certaine manière, un peu en hauteur, ça aurait pu donner un style. Mais voilà, non, c'est bon, le karma m'a rattrapé, il a dit « Non, non, arrête d'abuser un peu avec les rangements, je sais que t'adores ranger, mais faut pas pousser mes ménages dans une sortie. » Du coup, voilà, on se retient. Mais bref, voilà, oh, qu'est-ce que j'ai hâte de le remplir celui-là. Bon Dieu. Allez, c'est parti pour la table de chevet. N'empêche que si vous regardez le bois, je trouve que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la cuisine. Et c'est trop bien parce que bah ça, quand on prend des teintes de bois, de toute façon, on tombe jamais sur les mêmes. Et là, je trouve que c'est méga ressemblant. Alors de toute façon, ce sera pas côte à côte, c'est pas plus mal. Mais je suis assez contente. Ce qui veut dire que l'étagère Kallax, qui est normalement de cette couleur-là, vu qu'elle sera sur ce mur, elle sera pas très éloignée de la cuisine. Mais du coup, ça fera peut-être pas de transition bizarre de deux teintes de bois différents, et ça c'est très très cool. C'est comme le noir là finalement du meuble, si on regarde ça ressemble beaucoup à ce noir là, donc non franchement j'ai de la chance au niveau des couleurs, je me suis pas trop ratée. Et ben voilà le premier meuble à chaussures de monter, et c'est assez simple à monter finalement, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué, mais en fait une fois qu'on a monté un truc comme ça, tout paraît beaucoup plus simple. Et du coup voilà à quoi ça ressemble, c'est comme ça. Donc normalement j'ai un truc pour le fixer au mur pour pas que ça bascule, et en fait là j'ai deux petites étagères que je peux rajouter, que j'enclenche par exemple comme ça. Bon, faut juste les mettre bien, avec une main c'est un peu compliqué, voilà, et où du coup ça fait deux étages pour les chaussures. Moi je verrai, parce que j'ai beaucoup de baskets, de choses comme ça ou de chaussures hautes, donc je suis même pas sûre de m'en servir, c'est pour ça que pour l'instant je les laisse là, ça se trouve j'ai juste gardé ça comme ça. Du coup, le deuxième, c'est pareil. J'enlève ça, mais voilà. Donc c'est pas mal du tout. Ça, c'est proche du mur. C'est pas mal. Puis au moins, ça me fait une espèce de dessert dans l'entrée. Ça, c'est cool. Il y a une prise si je veux mettre une petite loupiote. Je pense que je mettrai Google Home là. Et du coup, j'ai le deuxième, normalement, qui va là. Donc on va le monter maintenant et on va voir. Il y a un truc aussi que je voulais voir. C'était par rapport à la porte des WC. Ouais, bah nickel. Il y a largement de quoi ouvrir. Après, je verrai, peut-être que je les bougerai pour le déménagement, histoire de libérer l'entrée quand on arrivera avec les autres meubles. Mais en tout cas, ça rend super bien. Et le bois, il n'y a pas photo. C'est quasiment le même. Trop bien. Ça fait un joli rappel. J'adore. Et ben voilà pour les deux meubles à chaussures. Franchement, ça passe trop bien. Par contre, je sais pas. Bon, là, au niveau de la porte d'entrée, ça passera. Hein. Je sais pas si je les colle au niveau du placard là ou si je les colle là. Je pense que ce serait plus joli là. Je vais essayer ça, ce serait pas mieux. Parce que là, ça fait engoncé, là, c'est pas très joli. Et bah, je crois que c'est encore comme ça que je préfère. Du coup, la prise, elle est là, mais comme les meubles, en fait, sont ouverts, la prise, j'y ai accès en passant comme ça. Donc finalement, c'est pas gênant. Et c'est même pas plus mal, ça la cache. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, j'ai l'interrupteur qui est là, la température. Et en fait, j'ai un petit jeu là,
qui servira peut-être pas grand chose. Ou au pire, je me dis, je pourrais mettre genre un truc pour les parapluies ou que sais-je. Et là, c'est pareil, je pourrais mettre quelque chose. J'hésite presque à foutre la gamelle d'eau pour les chats. La gamelle d'eau là, les croquettes de l'autre côté. Mais voilà, c'est le genre de petit recoin comme ça où je peux peut-être m'en servir pour les chats. Sans que ça fasse bizarre. Ou tu vois venir, après, je pourrais foutre un tapis là devant le placard, le compteur, parce que c'est pas le genre de truc que je vais m'amuser à ouvrir tous les 4 matins. Donc voilà, mais on va voir en faisant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette touche de bois dans l'entrée. Ça donne un petit peu de chaleur. Là au-dessus, je mettrai sûrement un de mes cadres. Et puis peut-être des petites étagères. Je sais pas trop encore comment je vais agencer cet espace. De l'autre côté, là, je mettrai bien... Au début, je pensais à un miroir, mais le problème, c'est qu'un miroir là, je vais pas pouvoir beaucoup me reculer pour me voir... Oui, quoi que encore. Oh si, ce serait pas si mal. Un grand miroir là, ça pourrait être pas mal. Vu qu'on peut pas foutre grand chose, vu qu'après il y a la porte qui ouvre de ce côté là. Ça pourrait être pas mal, si. Avec là le porte-manteau, enfin dans ce placard en fait. Bon, pour l'instant, il y a mes restants de peinture, il y a les tuyaux, mais il y a une penderie, il y a une étagère en haut. Et là, de toute façon, je pense à mettre mes manteaux. Donc admettons, là je prends le manteau, je le mets, je ferme, je l'enfile, et paf, je me retourne, je peux regarder. Moi aussi, c'est pas mal. Ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, ça pour aujourd'hui, ça et ça. Là, faut que je range un peu mon bordel, je vais essayer d'embarquer ça. Je vais pas réussir à embarquer d'autres trucs là. Faut que je range un peu ce bordel là. Donc voilà, donc demain, j'amènerai juste des colis, je pense. Enfin, des colis, des cartons, et je ferai rien d'autre. Parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre tant que la cuisine n'est pas terminée. Donc voilà, en tout cas, c'est chouette, ça avance bien. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. Bon, bah s'il n'y a plus rien ici, vous vous doutez bien que... Tada! Regardez-moi cette beauté intergalactique. Oh, qu'est-ce que c'est beau! L'ouvrier vient de partir. Et voilà, ça y est. Ma cuisine qui est officiellement terminée. Avec, on commence bien sûr par la beauté sans nom. Mon frigo américain dont je rêve depuis des mois. Il va falloir que je foute un truc là parce que ça a tendance à taper. Donc frigo de ce côté-là, congélateur de l'autre côté. Il est déjà froid et tout, je sais pas. Et pourtant, il l'a branché il n'y a pas très longtemps. Mais comme quoi, c'est beau la technologie. Avec distributeur d'eau, glaçons, tout ça, trop trop bien. Mon évier, mes plaques, mon four, mon micro-ondes. Là, ouais, celle-là, vous l'aviez déjà vue. Et voilà, les placards où je me sens vraiment toute petite. Mais voilà. On va autant dire qu'on va pouvoir en mettre du bordel là-dedans. Donc ça, c'est trop chouette. On m'a juste prévenu que pour celui-là, comme il est fixé dans du placo, il faut pas que je mette beaucoup de poids. Donc ce sera le placard du perroir, tout simplement. Et puis voilà, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, ça jette avec les petites lumières là-dessous. Du coup, j'ai un petit interrupteur là-bas pour celles qui sont là. C'est pas grave, ça se voit pas. Et du coup, voilà, vraiment... La beauté de la chose. Trop bien. Trop trop bien. Et ça, comme je vous avais expliqué, j'ai un rabat pour manger à 2 personnes de plus. Tac. Et voilà. Ce qui fait qu'on peut manger à 4. 2 personnes là, une en face. Et c'est juste nickel. Ça fait un plan de travail en plus. Quand on veut préparer à manger, c'est très résistant. Il y a quand même un passage qui est pas trop mal. Et puis voilà. Franchement, trop bien. Placard aussi. Je pense que là, ce sera mon garde-manger avant d'avoir mon cellier dans le garage. Donc, voilà. Là, on a déjà un range-couvert qui est intégré dans le tiroir. J'adore quand ça rentre comme ça à la perfection. Donc, voilà. Là, ce sera la vaisselle. Je sais pas encore quoi. Là, sûrement les assiettes. Et puis là, ce qui est casserole, plat pour le four et tout ça. Donc, c'est trop bien. Map sous évier. Là, du coup, faut que je vois comment je trouve des rangements. Mais ce sera trop bien. Faut que je mette la poubelle d'un côté, les produits d'entretien de l'autre. Sachant que ma poubelle est beaucoup trop grande pour l'instant. Donc, je sais pas. La poubelle, je la mettrai sûrement là. En attendant d'en avoir une autre. Et puis, mon lave-vaisselle. Oh, je sais plus ce que c'est que d'avoir un lave-vaisselle. Trop bien. J'ai hâte de m'en servir de celui-là. Ça va être trop cool. Et donc voilà. Ah, c'est bien, il reste un peu ouvert comme ça. Tac. Et voilà. Maintenant, on va chercher tout ce que j'ai dans la voiture. Et puis, bah, vu que je suis là, je vais en profiter pour monter les étagères là qui me manquaient. Comme ça, on est pas mal.
Maintenant que j'ai plus rien qui me barre la route, du coup, j'ai pu déplacer le meuble nord là-bas. Je l'ai collé comme ça en me disant que là, je pourrais peut-être vouloir ranger quelque chose. Puis comme la porte de la salle de bain, elle sera les trois quarts du temps ouverte, je pense. Ça se verra même pas. Enfin, j'en sais rien, je verrai. Mais je vais voir ce que je peux trouver ou alors un petit rangement. Je sais, j'avais des petites tours à céder pendant un temps. Si je décale, je pourrais foutre une tour à céder au milieu. J'en sais rien. On va voir. Et du coup, bah, voilà pour l'instant le merdier. Donc là, ce qu'on va faire, comme j'ai tout l'espace, là j'ai monté ce que j'avais, c'est que j'ai tout ça à monter. Donc voilà, je vais monter les étagères, comme ça je vais les disposer, elles iront tout le long de ce mur-là. Comme ça après, en fait, je peux foutre les cartons contre. Le bureau assis debout, je pourrais le mettre à sa place là, devant la baie vitrée. Et puis là, ça me libérera la place pour monter le dernier bureau. Je vais essayer de faire ça cet après-midi, ce serait pas mal. Comme ça, après, je peux vraiment me concentrer sur le fait d'amener des cartons. Tous les meubles seront disposés et j'aurai plus à me préoccuper de quoi que ce soit. Et ben voilà, première étage à remonter. Il y en a une deuxième comme ça à faire. Et après, j'ai la calax en bois qui est au milieu. Donc celle-là, va là. L'autre noire ira par là. La calax au milieu. Oh, ça va être chouette. Ça va bien rendre avec la cuisine à coller là. Putain, qu'est-ce que ça pète! La deuxième étagère, c'est fait. C'est fou comme ça habille le mur côté de la cuisine comme ça. Avec l'étagère Calax, ça va être encore plus magnifique. Là, il faudra que je mette deux chaises de barque pour qu'on puisse bien se rendre compte. Mais franchement, ça a de la gueule. Et bah ma foi, c'est vraiment pas mal tout ça. Je m'en suis vue. Par contre, pour monter celle-là, j'ai une planche qui m'est tombée sur le doigt. Là, je pense qu'il va devenir noir ces prochains jours. C'est génial. Mais en tout cas, voilà ce que ça rend. Donc c'est pile dans la continuité. Le bois, on voit qu'il est un tout petit peu différent, mais franchement, ça se joue à pas grand chose. Et du coup, c'est trop bien, ça se marie trop bien. Et ce sera du coup le fond pour ma boutique en ligne, pour les lives et tout. Je pense qu'à terme, là-haut, je vais mettre de la déco, peut-être quelques planeurs, ce genre de choses, histoire de promouvoir un peu la boutique. Mais surtout, ce que j'aimerais pouvoir m'acheter, c'est un néon. Un néon avec le nom de la boutique là-haut, ça pourrait être super cool. Donc on verra plus tard parce que ça coûte 3,5 reins ce truc. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il faut que je déplace du coup tout mon bordel qui est là, là-bas, pour pouvoir déplacer le bureau assis debout contre la porte vitrée, et que je puisse monter du coup le dernier bureau, ces 5 pieds à visser. C'est vraiment le plus simple qui me reste à faire, et on pourra officiellement dire que j'ai terminé les montages de meubles. Oui! Bon, j'ai un petit fail en ce qui concerne ça. J'avais acheté un espèce de porte-manteau que je voulais mettre sur la porte de la salle de bain et en fait, j'arrive plus à fermer la porte. Donc voilà. Mais sinon, et ben voilà, j'ai monté le bureau. Donc il y aura mes petits meubles blancs Alex de chaque côté. Donc c'est là où je mettrai les ordinateurs, les imprimantes, la machine de découpe, ce genre de choses. Ce sera vraiment le côté un peu technique. Au mur, je vais sûrement mettre mes cadres. Mais je verrai je rajoute peut-être pas des étagères ou quelque chose. Enfin, je sais pas. On verra parce que bon, j'ai quand même ce qu'il faut niveau rangement. Le bureau assis debout, il est là. Mais quand je serai en live, eh ben, je le mettrai comme ça au milieu. Comme ça, il y aura le fond avec les étagères. Donc, il ressemble déjà plus à grand-chose parce que, bah voilà. Il faut stocker un petit peu les affaires. Et donc, voilà, j'ai mis les chaises de bar aussi à proximité. J'ai mis les deux autres parce que, bah voilà. Quand on va m'aider à déménager, il va falloir quand même qu'on puisse s'asseoir un petit peu. Donc, voilà un petit peu ce que ça rend partout, partout, partout. Et voilà. Donc maintenant, bah, faut que je trimballe tout ça à jeter. Je vais pas pouvoir tout prendre ou alors je vais peut-être le faire à un autre moment. Je vais rajouter ça sur la terrasse, sur l'autre pile. Et puis voilà. Et quand je déménage, bah, je vais pouvoir foutre plein de cartons là-dessous. Dessus, je vais essayer d'éviter. J'ai pas envie de mettre trop de poids. Mais voilà. Ça commence à avoir vraiment de la gueule. Et ça, c'est cool. Maintenant, bah, y a plus qu'à amener les affaires et puis après à tout ranger. Bon. Bah, je vous fais un petit topo de l'avancement un peu des choses. J'ai amené plein d'affaires, plein de choses. Et puis bah demain, ça y est, c'est le grand jour. Vrai déménagement. Il y a plein de choses partout déjà. Et puis il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc voilà, je vous ferai un petit plan de l'autre appartement pour vous montrer à quel point aussi lui, il est vide. Et puis voilà, demain, c'est le grand jour. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je réalise absolument pas. J'ai pas l'impression que c'est déjà là, en fait. Ça fait 3 ans que j'attends. Et voilà, ça y est, c'est là. Et voilà, ça y est. On est la veille du déménagement. L'arbrage au milieu de la pièce, ça perturbe personne. Voilà un petit peu. Tout s'est vidé. Là, bon, la cuisine, il y a encore des sacs poubelles à aller jeter. Plus de frigo. Il est parti. Et puis bah voilà, on voit un petit peu, tout a changé, j'ai surélevé le canapé, là j'ai les derniers cartons qui sont là, le lit, un petit chat, d'autres cartons qui sont là aussi,
Et puis bah voilà, hein, ça sent la fin, tout simplement. Du coup, je vous reprends face cam parce que c'est aussi la fin de ce vlog. Il sera assez long, je suis assez contente, j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai surtout fait moi pour avoir une trace de ce déménagement parce que c'est vraiment bah, quelque chose qu'on fait pas tous les 4 matins. D'autant plus quand on emménage vraiment chez soi, qu'on devient propriétaire, qu'on fait de la peinture, des choses comme ça. C'est des choses que j'avais jamais faites de ma vie, donc du coup bah, j'avais vraiment envie d'immortaliser tout ça pour me souvenir. Et puis bah, c'est l'aboutissement aussi d'énormément de choses, de 2 à 3 ans de travail acharné sur plein de points différents, même 4 ans pour certains points. Donc ouais, non, je suis vraiment contente et cette vidéo, je pense, va être ma préférée de toute ma chaîne. Et du coup, à partir de demain, je vais démarrer un nouveau vlog, un vlog après déménagement, rangement, tout ça. Je sais pas quand est-ce que vous l'aurez parce que j'ai les mêmes problèmes d'internet que je vous ai parlé plus tôt dans le vlog. Bah, rien n'a évolué à ce niveau-là. Donc je sais pas comment ça va faire, je vais pas avoir de réseau, ne serait-ce que de réseau sans même parler d'internet, donc ça va être un peu compliqué. Donc du coup bah, je ferai un vlog qui sortira bah, le jour où je récupérerai une connexion internet, donc je sais pas si c'est un vlog qui va durer quelques jours, des semaines ou des mois, j'espère pas, mais voilà. Et j'ai aussi, j'en profite de vous le dire dans ce vlog parce que je sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir le faire plus tard. Au niveau des vlogmas, je voulais faire un vlog par jour du 1er au 24 décembre en rangeant un petit peu mon appartement, en optimisant chaque coin, en faisant de la déco, ce genre de choses. Je sais pas du coup si j'aurai une connexion internet à ce moment-là. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer 24 vidéos pendant le mois de novembre. Et puis que je vous sortirai du 1er au 24 décembre, je pense. Comme ça, je pourrais aller les charger chez quelqu'un qui a internet, mais du coup, je pourrais charger toutes les vidéos d'un coup parce que le problème, c'est que les vlogmas, bah, on filme, on monte, on sort. Mais le problème, c'est qu'en gros, tous les jours, il faudrait que je me déplace dans un endroit où il y a une connexion internet. Et c'est pas possible. Dans mon cas de figure à moi, en tout cas, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai pensé à ça. Ce qui me permet, moi aussi, de pouvoir aménager l'appartement plus rapidement et ne pas attendre le 1er décembre. Donc, vu que j'ai l'impression que c'est des problèmes qui vont durer encore un moment, on va voir. J'ai envoyé un email au promoteur, savoir s'ils avaient un peu plus de nouvelles. Je le saurai que la semaine prochaine. Donc, on verra. En tout cas, dans tous les cas, bah, vous aurez au moins ces informations-là dans ce vlog-là. Je vais le monter tout de suite, je vais finir de le monter juste après. Et puis comme ça, je vous le sors dans la foulée ce soir. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous plaira autant qu'à moi. Et je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis, bah, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo.